Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chers abonnés, merci pour votre fidélité. Et je vous promets une longue, très longue série de plusieurs vidéos pour vous entretenir sur des exercices de PNL. Donc PNL comme programmation neurolinguistique, ce sont des exercices qui sont utilisés dans le développement personnel. Donc je me lance avec vous dans cet exercice pour pouvoir améliorer mon quotidien et travailler sur mes émotions. J'espère que ce que je vais partager avec vous va vous aider justement également à améliorer votre quotidien. Vous êtes parmi ceux-là, en fait, dont les émotions vous jouent souvent des tours. Vous êtes parmi ceux-là qui, parfois, rien de tel que l'urgence pour donner le meilleur de soi-même. Vous êtes parmi ceux-là dont vous ne vous donnez pas le droit d'échouer. Vous êtes parmi ceux-là dont vous aimeriez savoir plaire à tout le monde. Vous êtes parmi ceux-là dont au jeu de l'auto, évaluation, vous êtes des champions. Vous êtes parmi ceux-là dont je ne sais pas y arriver est votre refrain préféré. Laissez-moi donc vous dire que ce programme que je commence aujourd'hui dans cette vidéo est fait pour vous. Beaucoup de chercheurs, beaucoup en fait de personnes ont travaillé sur plein de livres pour expliquer ce que c'était en fait la programmation neurolinguistique. Vous êtes parmi ceux-là en fait dont le développement personnel vous intéresse, mais que vous détestez en fait vous compliquer la vie parce que vous êtes un farouche adversaire de la prise de tête. Quand vous rencontrez des problèmes, vous voulez une solution simple, facile à mettre en œuvre et résolument pratique. Laissez-moi vous dire que rien ne vient en fait aussi facilement, mais avec de l'exercice, vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Et ici, je vais vous présenter donc la PNL, programmation neurolinguistique, qui est l'instrument que vous recherchez depuis tant d'années ou alors depuis beaucoup de mois. Dites-vous que vous êtes tombé à la bonne porte. Vous êtes arrivé en fait là où vous devrez arriver, c'est chez Nipub, où nous allons travailler ensemble. Beaucoup d'exercices, beaucoup de séances, beaucoup de vidéos pour vous permettre en fait une meilleure orientation. Car en effet, l'approche résolument orientée sur le comment et non le pourquoi sera la solution à toutes vos questions, à toutes vos interrogations. Parce que ici, nous allons comprendre comment ça marche. Je prends l'exemple des personnes qui ont la phobie des araignées. Généralement, on ne s'arrête pas et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Pourquoi j'ai peur de l'araignée? Quel est l'élément déclencheur? Et comment je peux, en fait, à partir de l'élément déclencheur, résoudre cette phobie d'araignée? Laissez-moi donc vous dire que la PNL, la programmation neurolinguistique, pose toutes ces questions et bien d'autres encore. Elle offre aussi des outils pratiques basés sur l'observation des comportements et du langage, le choix des mots, l'attention portée à ses émotions, la visualisation. Grâce à la PNL, vous pourrez à la fois mieux vous comprendre, gérer vos difficultés de façon pragmatique et utile, mieux observer, bien tenir compte du contexte, des enjeux et de vos propres modèles d'interprétation, et enfin, mieux communiquer dans les situations professionnelles
et personnelle. La programmation neurolinguistique va vous servir à mieux connaître et à accroître vos points forts, à mieux comprendre les autres. C'est un outil très utile. Et comme tous les outils, pour en maîtriser l'usage, il faut s'entraîner. Pour cet entraînement, je vous inviterai à revenir dans la prochaine vidéo lorsque je vous présenterai le premier exercice qui portera sur la carte et le territoire pour vous montrer comment utiliser en fait tous ces exercices pour dépasser les jugements hâtifs, les préjugés, pour dépasser vos peurs et travailler justement sur votre développement personnel. Ayez une attitude de PNL et vous verrez qu'au fil du temps, vous aurez une maîtrise de soi. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo pour commencer les exercices. Et je vous dis de rester en santé et de revenir très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!